S'il y a un citoyen que l'enfance au roi Mohammed VI faite par le quotidien arabophone Chourouk dérange au plus haut niveau, c'est bien le chanteur de raï Khaled Haj Ibrahim, le connu sous le nom de Cheb Khaled. Pourquoi? Il est algérien, mais aussi marocain. Il se peut même qu'il soit plus marocain qu'algérien, tellement il aime le Maroc et son roi Mohammed VI. Même si c'était l'inverse, peu importe pour celui dont le cœur vibre pour les deux pays que sont le Maroc et l'Algérie. Lui, c'est Cheb Khaled, né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie. Il a déposé son baluchon au Maroc. Voilà 8 ans que sa vie changeait. C'est en effet dans le bulletin officiel du 5 septembre 2013 qu'un décret royal de Mohammed VI stipule « Et naturalisé à titre exceptionnel, M. Khaled Haj Ibrahim, né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie. » Ainsi, Cheb Khaled devenait un citoyen de droit marocain, grâce au sens d'ouverture et à la générosité du roi Mohammed VI, qui venait ainsi de prouver à la face du monde entier que l'Algérie était bien un pays frère, qu'un Algérien pouvant être considéré comme un Marocain. Ce message du roi était arrivé à bon port, car le souverain venait de montrer toute sa gratitude à un homme qui lui est à ce jour reconnaissant. En effet, Cheb Khaled ne rate aucune occasion pour parler de son amitié avec le roi Mohammed VI, évoquer sa grandeur et sa gentillesse. Voir aujourd'hui le roi offensé ne peut être que peine et désolation pour le roi du Raï. C'est pourtant ce que devient de faire une chaîne algérienne qui a osé caricaturer le roi Mohammed VI en marionnette. Étant d'abord algérien avant d'être naturalisé marocain, Cheb Khaled, sans nul doute habité par un profond malaise, n'a que ses yeux pour pleurer cette situation qui ne va pas dans le sens de renforcer les liens entre les deux pays voisins en Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie. Ces deux pays qui sont ancrés dans son cœur.